grâce à l'échafaudage à roulettes qui va et vient. Les ouvriers sont en place pour tartiner la pierre sous-jacente d'un centimètre exactement de mortier sous un ciel exceptionnellement bleu. Et c'est ainsi que furent achevées les ouvertures pour les vitraux que nous espérons un jour voir combler de vrais vitraux. Épreuve numéro 2. Le repérage des pierres de la corniche avant qu'elles ne s'envolent sur leur emplacement pour supporter la charpente et les cloches. Les cloches que toute la communauté réunie cherchait depuis Pâques, alors qu'elles s'étaient toutes réunies dans le magnifique carillon de notre cher village de Magalas. Écoutez,